Ouais, t'as envie de rentrer à quelle heure, Sergueï? Avant la tombée de la nuit. Ma femme m'attend pour 7h. Dernière fois, je suis arrivé à la bourrin, j'ai bouffé le goulash froid. Dieu sait que c'est dégueulasse, hein. Vraiment le roi de la gâchette. En fait Boris, faut qu'on passe au dépôt. Le chef nous a demandé de poser la cargaison. Rigo a fait une belle prise aujourd'hui. Ouais. Merci mon grand. Je veux pas que t'y ailles, c'est trop dangereux. C'est pas à toi de le faire. Mais maman, y'a que moi qui peux faire. T'es qu'un enfant. T'inquiète pas maman, je fais attention. Franchement, si on arrive à choper Standra Imanov, il va passer un sale quart d'heure. Ouais. Et en plus, il y a la récompense à la clé qu'on le ramène mort ou vif. Tiens, 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 regarde devant nous. On a peut-être un client. Hein?
Halte! Qu'est-ce qu'il faut là, petit? T'as perdu ta langue? Réponds, mon camarade. Je veux traverser la route. T'as besoin d'un coup de main? Non, je me débrouille seul. C'est qu'il a du caractère, le mien. T'es de l'Est, c'est ça? Et tu vas où comme ça? On savoir ce que tu transportes dans ce sac? Écarte-toi de ce sac! C'est mon sac, j'ai rien fait! Écarte-toi de ce sac! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père, il s'est fait tuer par une mine en allant à la chasse. Et tu comptes faire quoi avec lui? Je l'ai enterré de l'autre côté de la colline. T'es pas un peu jeune pour faire ça tout seul? Je suis le seul homme du village. Hé, hey, attends une minute! Putain de merde, je crois pas! C'est André Imana! Comment tu t'appelles, gamin? Nicolas. Nicolas Manov, monsieur. Nicolas Manov? Le fils du célèbre André Imanov? Il s'est fait tuer par une mine, c'est ça? Ce serait pas plutôt dans une embuscade? Je suis désolé, mon garçon, mais je crois qu'on va être obligé d'emporter le corps de ton père. Et pourquoi? C'est la trêve! La trêve? C'est un bien grand mot, ça. Mais il est mort, j'ai enterré! On doit le faire authentifier par un médecin légiste, à nos supérieurs. Payer la récompense aussi, hein? S'il vous plaît, monsieur, ne le prenez pas! C'est bon, Nicolas, c'est bon! Va rentrer chez toi. Ah, si ça c'est pas de la chance. Et en plus sans effort. Bon bah c'est bon, je vais le mettre dans le coffre. Ah, y'a plus qu'à pousser les arbres. Hein. Mais non, vous avez pas le droit, c'est mon père. Attends, 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 je vais me gêner. Non. Boris, occupe-toi de lui. Non, vous avez pas le droit. Calme-toi petit, je commence à me chauffer. Pas